Grant elle a suivi ma bague dans la vie. Je suis là pour parler. Tu as eu le goût. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous lisons le Bhagavatam, chapitre 1, verset 1, pardon. 101, chapitre 1, verset 10. C'est pas souvent qu'il y a des œuvres avec trois catégories de subdivisions comme ça, hein, les chants. On connaît les chapitres et les versets, mais les chants, j'avais jamais vu moi avant de voir le Bhagavatam. Le mot chant, c'est pas un mot anglais, et les gens ils comprennent pas trop dans la rue. Pourquoi c'est les chants? Parce que un chant, c'est anglais, mais c'est pas un mot. Qui n'est pas un mot anglais d'ailleurs. C'est un mot quoi? Canto? Italien? Hein? On utilise, hein, parce que les Anglais n'utiliseraient pas un mot espagnol. Ça ferait pas bien. Mais un mot italien, tout le monde utilise. Ça vient de l'Antiquité. Je pense qu'on utilise canto, c'est dans le sens référence antique. Quoi. Pourquoi ils disent chant? Parce que c'est un chant, ultimement. Et qu'est-ce que c'est le mot en sanskrit, je ne sais pas, pour chant. Il y a déjà eu la question dans la rue, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce qu'on répond à quelqu'un dans la rue qui demande pourquoi c'est le chant? Il faut lui dire que c'est le premier chant. Sinon, c'est un chant où tu lui montres les versets. Guita, c'est pas le chant, Guita ? Ouais. Mais là, je sais pas. J'ai jamais vu marqué pour ça. Il y a plein de manières de dire chant, hein, ouais, en sanskrit. Chaque mot que tu veux dire, il y a plein de mots différents pour... Plein de manières différentes de le dire. Hein ? Et un mot veut dire aussi plein de choses. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ce soit ça à utiliser. Ce serait intéressant à chercher. Donc, nous sommes au verset 10. Prane yalpayusha sabhya. Kala vasmin yuge jana. Mandasumanda matayo. Manda bhagya yupadruta. C'est un verset très connu. Quelqu'un veut répéter? C'est un verset très spécial du Bhagavatam, puisque c'est à ce moment-là que nous entrons tous dans le chemin du Bhagavatam. Ce verset parle de nous. Il y a un mot qui est répété ici trois fois, il s'appelle Manda. Manda veut dire celui qui est stupide, celui qui est condamné un petit peu, ignorant. C'est un mot péjoratif, le mot Manda en sanskrit, et que les Vaishnavas utilisent pour se décrire eux-mêmes normalement. Comme, Mangalacharanam de Radha Madhamohan, comme on dit. Mama Manda Mater Gati, Matsarvasvam Padam Bhujo, Radha Madhamohan. Jayatam Suetopango, Mama Manda Mater Gati.
Il dit, je suis un manda, je suis juste un ignorant. Manda, ici employé trois fois, puisqu'il parle des habitants, ou du peuple Jana, du peuple de Kalav Asmin Yogi, l'âge de Kali. Donc c'était un verset qui décrit les habitants de l'âge de Kali, c'est-à-dire nous. Donc nous entrons dans le chemin de Bhagavatam. De bon augure ou pas, je ne sais pas, peut-être pour nous, pas obligatoirement pour le Bhagavatam, ni pour l'univers. Ô vénérable Sutta, c'est un fait que dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. Ils sont paresseux dans la culture de la dévotion pour Dieu, inintelligents, très infortunés de ne pouvoir avoir l'association de purs dévots. De plus, ils mènent des vies sujettes à la misère, à la maladie et à d'autres maux. Voici la définition qui nous est donnée d'entrée, au moins. Vous savez qui vous êtes. Le Srimad Bhagavatam nous remet à notre place dès l'intro du 10e verset. Hein. Paresseux, inintelligents et infortunés. On dit manda, sumanda matayo, manda badia. Manda veut dire, il est traduit ici, paresseux. Sumanda matayo, ça veut dire qu'il n'a pas d'intelligence. Et mandabhagya, ça veut dire qu'il n'a pas de fortune, pas de bonne fortune, dépourvu de bonne fortune. Comme ça, au moins, c'est clair. On sait à quoi on a affaire. Commentaire. Et la Vishnu Chakravarti Thakur cite Sutta Goswami. Vous devriez m'écouter et ensuite décider par vous-même de ce qui est le meilleur. Les sages répondent par ce verset. Ô honorable sage, tu connais ce qui est favorable pour le temps et le lieu. Dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. S'ils ont par chance une vie longue, ils sont paresseux pour étudier les sujets spirituels. Et s'ils ne le sont pas, ils sont inintelligents. S'ils sont intelligents, ils sont infortunés ou dénués d'association avec les dévots qui enseignent les plus hauts buts dans l'action. Pardon. Et même si une personne a cette association, elle demeure affligée. Et sous le contrôle de cette affliction, causée par la maladie et d'autres problèmes, elle ne trouve pas le temps pour écouter de la bouche du dévot le savoir concernant le plus haut but de l'être, pour l'être humain. Même si elle l'écoute, elle ne peut pas le comprendre et accomplir ensuite les actions pour l'atteindre. Ce qui implique que tous les gens ont des mauvaises qualités dans l'âge de Kali. Là, ils ont démantelé l'un après l'autre toutes les possibilités qu'on a quelque chose de bien en nous. Non, ils ont tout. Mais en même temps, ils sont aussi très, très humbles, puisque ils sont eux aussi quelque part des habitants de l'âge de Kali. Si ce n'est qu'ils ont pris quand même naissance dans l'âge précédent. Mais disons, au début de l'âge de Kali, ils étaient quand même là. Et ils ont dit ça aussi pour eux-mêmes, en fait. Ils ont pris une position d'humilité. Ils ne sont pas là pour critiquer les gens. Ils parlent, en fait, pour eux-mêmes, puisqu'ils considèrent maintenant, nous sommes dans l'âge de Kali. Donc, voilà notre situation. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Chalake Chakshurundhita-mila tasme shri gurave nama shri chitanya mano vistam stapitam yena bhutale svayam rupa katamayam dadati svapadam tikam namo mavadanyaya krishna prema pranayate krishnaya krishna chaitanya namne guradvishaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpa Taru Vyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Mukam Kariti Vacharam Pangam Ankariti Girim Yat Kribam Tamaham Vandi Shri Guru Dinatana.
Donc ce verset, c'est un peu comme une prière des sages, de Nemi Sharana, qui implore Sutta Goswami de les aider. Un des symptômes d'un être sincère, c'est qu'il reconnaît sa triste condition. C'est un élément fondamental pour pouvoir commencer toute pratique spirituelle. On doit toujours reconnaître notre infortune. C'est très important de reconnaître notre infortune. On voit tellement d'exemples. Le Srimad Bhagavatam va être complètement rempli de nombreux exemples de Vaishnavas qui expriment leur infortune. Parce que la première chose, lorsqu'on est infortuné, c'est de le reconnaître. C'est la manière de pouvoir s'en sortir. Non? Lorsqu'on est malade, la première chose, c'est de réaliser « Oh, je suis malade ». Le fait de réaliser « Je suis malade » va faire naître en nous l'idée que nous avons donc besoin d'aller chez le docteur. Mais si on n'a pas, on ne s'était pas rendu compte qu'on était malade, on ne va pas chez le docteur, non? Il y a des gens comme ça qui développent des maladies sans le savoir et qui s'aggravent intérieurement, non? Par exemple, un cancer, il va se développer intérieurement, la personne ne sait pas, parce qu'il n'y a pas obligatoirement de symptômes, et elle va apprendre tout d'un coup, « Monsieur, vous avez un cancer de troisième, gravité, catégorie. » Vous avez plus que 2 mois à vivre. Il ne savait pas, la maladie s'est développée, il y avait une maladie, il n'était pas conscient de cette maladie-là. Or, si cette personne-là avait été consciente de sa maladie, peut-être quelques années avant, elle aurait pu faire quelque chose. Après, la maladie est devenue trop grave, non? On ne peut plus rien faire. Au niveau spirituel, c'est un petit peu mieux, c'est que l'âme spirituelle n'est pas vouée à l'échec comme le corps matériel est voué à l'échec. Le corps matériel, quoi qu'on fasse, il est voué à l'échec. Non? On peut faire tout ce qu'on veut, on peut juste le maintenir un petit peu plus longtemps, c'est tout. Mais de toute façon, il est voué à l'échec. Alors que l'âme spirituelle, c'est l'inverse, elle est vouée au succès. La seule chose qu'on peut faire, c'est la retenir dans ce monde un petit peu plus longtemps. Vous comprenez? C'est l'inverse. Néanmoins, la situation est quand même là que si on n'est pas conscient de notre maladie, eh bien on ne va pas chercher à s'en sortir. Donc c'est très important. Et le début de toute approche de Krishna ou des Vaishnavas, les personnes qui approchent expriment toujours son infortune. Non? Ça fait partie de... Ça fait partie de la bonne attitude. On dit Tattidi Pranipatena. Pranipatena, c'est ça que je veux dire, Pranipatena. Approcher un maître spirituel avec, en lui offrant tous tes hommages. Pranipatena, ça veut dire en reconnaissant notre infortune, on approche une telle personne. Sans Pranipatena, l'approche ne pourra pas donner ses fruits. C'est très important qu'il soit là. Puisque après, Pranipatena va donner la place à Pariprasnena. C'est-à-dire s'enquérir sincèrement, en étant véritablement concerné et soucieux des questions qu'on pose. Mais pour que Pariprasnena, c'est-à-dire des questions essentielles, Pariprasnena, ça ne veut pas dire des questions « Est-ce qu'il va faire beau demain matin ?» C'est pas ça, mais Pariprasnena, ou comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois à la fin du mantra yoga, quand on faisait les groupes de mantra yoga ici, un monsieur me dit, cher monsieur, j'aimerais vous poser quelques questions personnellement, j'ai des questions qui me tiennent à cœur. Et je me suis dit, waouh, enfin quelqu'un, tu vois, qui veut poser des questions profondes. Et je suis venu, je lui ai dit, bon, on peut aller dans la salle en haut là, Coverdan, vous pouvez me poser vos questions. Il m'a dit, je voudrais me marier, mais j'arrive pas à trouver l'épouse. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui ai dit, malheureusement,
ne vais pas pouvoir vous aider, c'est pas ma fonction de faire ces choses-là. Donc, parce qu'il n'avait pas réalisé Pranipatena d'abord. Donc sa question était quelque part déplacée. Mais je lui ai dit, je lui ai dit malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider dans ce sens-là parce que tout d'abord, qu'est-ce qui se passe si jamais j'arrange votre mariage et que dans 2 ans, votre épouse vous quitte et vous devenez complètement brisé. Est-ce que j'aurais fait une bonne action pour vous ou est-ce que j'aurais fait une mauvaise action? Là, il n'a pas su quoi répondre. J'ai dit donc, comme je ne suis pas sûr de l'aspect favorable de cette action pour vous, je ne peux pas la faire. Il a compris. Il était un peu déçu, mais il a compris. Tu dis, moi j'aime faire des choses pour les gens où je suis sûr que vraiment ça va être bénéfique pour eux, mais je ne vais pas faire quelque chose pour vous que je ne sais pas si ça va être bien ou pas, et ça peut se transformer en désastre total, non? C'est risqué. Je ne vais pas vous faire ça, parce que je veux votre bien. Je lui dis, mais par contre, je peux faire quelque chose pour vous qui fera que même si vous ne trouvez pas d'épouse, vous deviendrez heureux quand même. Si ça vous intéresse. Il m'a dit, non, ça va, merci. Donc on appelle infortuné, non? Vraiment infortuné. Il était là, dans la demeure de Nandeshoda. Il était au pied, tu vois, il avait rencontré le Gaudiya Parampara, qui transporte le plus grand trésor, mais j'ai pas pu l'aider, parce qu'il n'avait pas l'intérêt. Parce qu'il n'avait pas plané Patena, il n'avait pas réalisé son infortune. Donc c'est très important, cette approche, réaliser à quel point nous sommes infortunés. De là va naître dans notre cœur le désir de se sortir de là. Et là, on va commencer par les plachines, de s'enquérir avec profondeur des choses, des problèmes de la vie. Pourquoi pas de répéter ça tout le temps? Il y a 4 problèmes dans la vie, c'est tout. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Tant que vous ne résolvez pas ces problèmes-là, tout le reste ne sert à rien, non? Il disait, les gens essayent de résoudre tel problème, ils font la médecine, ils développent tellement de techniques de médecine pour soigner les gens, mais ils n'ont pas résolu le problème de la mort. Donc à quoi ça sert? Les gens meurent toujours autant. 100%. Hein? Les statistiques des décès est 100% dans le monde matériel. Un jour, je marchais sur les Champs-Élysées, je me rappelle, parce que j'allais souvent aux Champs-Élysées à cette époque-là, on faisait son kirtan là-bas, et je voyais toutes ces personnes qui passaient, et je me disais, tu vois, là, dans 100 ans, tous les gens qui sont là, il n'y en aura plus un seul. Ils seront tous morts. Tous les gens qui habitent dans Paris, là, dans 100 ans, il n'en restera pas un seul. Mais il y aura plein d'autres nouveaux gens qui seront arrivés là. C'est bizarre de penser ça, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu regardes qu'autour de toi, tous ces gens, ils auront disparu dans 100 ans, c'est pas tant que ça, 100 ans. Ils ont tous disparu. Et donc, qu'est-ce que je disais? La fortune. Ouais. Donc le corps matériel, lui, il va être détruit et donc il faut s'enquérir de ce problème-là. Comment faire pour résoudre la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort? Prabhupada voulait vraiment qu'on comprenne ça au plus profond de notre cœur, parce que lorsqu'on comprend que c'est ça le problème de la vie, le reste devient insignifiant. Non? Si on ne comprend pas que la mort est un problème, alors on va devenir captivé par plein de choses dans ce monde. On va devenir intéressé par plein de choses. On va penser qu'il y a plein de choses qui ont de l'importance. Mais lorsqu'on comprend que le problème numéro un, c'est qu'on va mourir à la fin, tout le reste s'effrite, non? Tout le reste s'effrite. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune et qu'on m'avait dit que j'avais une maladie mortelle, incurable.
ça a effrité toute ma vie en quelques secondes. Tu vois, tous les plans que je m'étais dit, oui, je vais faire ça, et puis ça, et puis là, je me suis dit, ben, finalement, peut-être que je pourrais jamais faire ça. Donc, le prospect, comme on dit, toute la prospective, la perspective, toute la perspective d'avoir une belle vie dans ce monde, tu vois, et de s'amuser et tout ça, elle s'effrite quand on comprend que ça finit par avoir. Donc on doit toujours se rappeler de ça. Et à partir de ce moment-là, se dire, ok, puisque c'est ça le problème, comment faire pour échapper à la mort? C'est très important. Et là, on va commencer par les placer. Il va falloir trouver quelqu'un pour nous dire comment faire pour échapper à la mort. Non? Et à poser des humbles questions, bien écouter les réponses, les appliquer. Déjà, il faut trouver la personne. Mais après, une fois qu'on a trouvé la personne qui sait comment faire, suivre ses directives. On appelle Sevaya. Pariplashnena, ça veut dire poser des questions. Et ensuite, Sevaya, ça veut dire mettre en application les réponses aux questions. Et Sridhar Maharaj expliquait qu'en fait, tout devient effectif avec Sevaya. S'il n'y a pas le Sevaya, c'est-à-dire la mise en application, les questions ne servent à rien. Vous pouvez poser des questions, mais s'il n'y a pas Sevaya, par derrière, qui suit, ça ne sert à rien. Comme l'histoire que Narayan Maharaj aimait bien raconter, le maître spirituel un jour est donné la classe, peut-être, et il a dit à son disciple, est-ce que tu pourrais m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Et le disciple a dit oui, Gurudev, et il n'a pas bougé. Alors le maître spirituel est devenu un petit peu perplexe et il a dit « Est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît ?» Le disciple a dit « Oui, je l'ai. » Mais il n'a toujours pas voulu. Là, il s'est dit « Tiens, il est étrange. Bon, je vais essayer encore une fois. » Il a dit « Est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît ?» Il a dit « Oui, bien sûr, je l'ai. » Après, il a dit « Mais... tu ne comprends pas, est-ce que tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Il a dit, si, Gurudev, vous m'avez dit trois fois, est-ce que tu pourrais m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? J'ai bien entendu ce que vous avez dit les trois fois. Mais, il a entendu, mais il n'a pas appliqué, vous comprenez? Donc ça ne sert à rien, le maître spirituel, il attendait toujours son verre d'eau. Mais le disciple, lui, il avait mémorisé, tu vois, les trois instructions, il avait bien mémorisé. Donc, Pariplashnena, c'est Vaya. Et en fait, par le fait de servir les instructions du maître spirituel et des Vaishnavas, la connaissance qu'il nous avait donnée prend vie. Elle devient réelle à chaque pas que nous faisons. Par exemple, si le maître spirituel te dit, va distribuer les livres dans la rue. Ça, c'est une instruction, tu pourrais dire oui, oui, Gurudev. Et bien entendu. Mais là, quand tu vas dans la rue après, il va y avoir, tout va se révéler. Parce que là, tu vas faire face à la réalité et à cette connaissance qui est en toi. Maintenant, il va falloir la mettre en application et la vivre tellement. Ça peut être distribuer les livres, ça peut être n'importe quelle sorte d'instruction en fait. Il n'y a pas une instruction qui est plus dure qu'une autre. En soi, oui et non, parce que ça dépend beaucoup de circonstances. Il y a des instructions qui vont être dures pour quelqu'un, faciles pour une autre personne. Non? Si je demande à Gauravanda de faire un tableau, par exemple, peut-être que là, il va plus dormir pendant plusieurs jours, non? S'il reçoit l'instruction de faire un tableau. Pour certaines personnes, c'est plus facile. Et donc voilà. On est différentes aussi, je dis à Arjuna, donc c'est toi qui vas cuisiner le festin de Noël, ok? Tu as intérêt à ce que ce soit first class. Hein? Tu nous donnes ton menu, là, vite, vite, là, parce que dans une demi-heure, il faut qu'on aille faire les courses, donc. Allez, là, il va paniquer, non? Parce que pour lui, c'est super difficile, alors que pour une autre personne, c'est naturel. Donc les instructions, c'est pas... telle instruction est plus dure, c'est chaque instruction
Sridhar Maharaj expliquait quelque chose de très intéressant. Il dit, en fait, tout ce qui vient à nous, on doit comprendre. Ça, c'est le principe de Shri Guru. Shri Guru, ça veut dire que Krishna est absolu et qu'il contrôle tout et qu'il est bienveillant, il nous aide à chaque pas. Donc, la situation dans laquelle on se trouve maintenant et ce qui vient à nous exactement maintenant, c'est la chose parfaite pour nous, là où nous sommes maintenant, pour nous faire progresser juste à l'étape suivante. Incroyable, hein? Quand j'ai lu ça, ça a révolutionné ma vie. Parce que c'est logique. Ça veut dire qu'en fait, c'est parfait. Tout ce qu'on reçoit, toute situation. Mais la tendance dans le monde matériel, c'est qu'on a beaucoup de mal à accepter ça. Non? On rejette tout le temps. Comme disait Sridhar Maharaj, c'est la faute de l'environnement. C'est la faute des autres, c'est la faute du monde, c'est la faute de toi. On rejette toujours la faute. Ça peut être la faute de tout le monde, mais ça ne peut pas être notre faute. Alors qu'en fait, on doit accepter ce qui nous vient comme étant bon pour nous. Et c'est ça qui n'est pas facile. C'est pas facile, mais si on comprend ça, Sridhar Maharaj disait, en fait, si vous comprenez ce principe-là, vous pouvez faire énormément d'avancement en très peu de temps. C'est ce verset du Bhagavatam, 10e chant, 13e chapitre, dans les prières de Brahma. Il explique en fait, comment on va dire, que celui qui accepte toute chose difficile qui lui arrive comme étant simplement le fruit de ses propres mauvaises actions et comme étant la grâce de Krishna et qui continue malgré ça à l'intérieur de son cœur à remercier Krishna et à le servir, il dit, cette personne-là, il est qualifié pour atteindre la libération. Peu importe les difficultés qu'il rencontre. Vous voyez? Peu importe. Mais s'il comprend, ces difficultés sont juste dues à mes mauvaises actions passées, et en fait, c'est la grâce de Krishna, et que dans son cœur, peu importe la galère dans laquelle il est, il remercie Krishna. Et il continue de servir Krishna. Il dit, cette personne-là, il est qualifié pour atteindre la libération. Très intéressant. Et Sridhar Maharaj disait que ce verset-là, si nous le comprenons vraiment au fond de notre cœur, en quelques instants, on peut faire énormément de progrès. Parce qu'on peut se trouver, on peut se situer sur la plateforme de l'abandon. Où finalement, on accepte tout comme étant la grâce de Krishna. Et lorsqu'on devient situé sur cette plateforme-là, tous les problèmes de l'existence matérielle sont résolus. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut dire le plus gros est déjà fait. Parce qu'on a compris la solution. Qu'en fait, tout est une grâce de Christ. Et lorsqu'on vit comme ça, à ce moment-là, la félicité commence dans notre vie. Bhaktivinoda Thakur, il chante dans Sharanagati, « Ô Seigneur, depuis que je me suis abandonné à tes pieds pareil de lotus, je ne vois que la félicité venir à moi à partir des 8 directions qui m'entourent. » Vous comprenez? C'était une métaphore poétique pour dire, en fait, tout ce qui arrive en moi, c'est de la félicité. Vous connaissez les 8 directions? Les 10 directions, pardon. Vous connaissez? Nord, sud, est, ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest, en haut et en bas. Les 10 directions. C'est un terme qui est souvent employé dans les Vedas, hein, les 10 directions. Ça veut dire vraiment partout. Il dit, je ne vois partout que de la félicité venir à moi. Pourquoi? Parce qu'il perçoit, en fait, qu'à travers toute chose, ce qui vient à lui, c'est Krishna. Que ça vienne sous la forme d'une attaque, ou sous la forme d'une bénédiction, il voit, c'est la grâce de Krishna. Quand quelque chose de difficile vient à lui, il considère, ok, là c'est Krishna qui essaye de me tester. Non?
Quand une situation très difficile vient, un Vaishnav pense Jai. Maintenant, je vais pouvoir prouver mon amour pour toi. C'est intéressant. Hein? Il ne se dit pas en marche encore, la galère. J'ai toujours sauvage la tombe. Déjà hier, encore aujourd'hui, et encore demain. Il se dit, ah, je vais pouvoir prouver mon amour et mon abandon pour toi. Non? Parce que si je vous assois sur un beau coussin, non? Que je vous mets un festin de Noël en face de vous, comment vous allez prouver votre abandon pour Krishna? Pas facile. C'est possible, mais c'est plus difficile. Mais si je vous mets dans la rue, il neige, il fait froid comme ça, et il faut faire quelque chose pour Krishna, aller chercher du bois, par exemple, comme Sudama, Vibra et Krishna, ils étaient dans la tempête, tout ça, là, vous pouvez dire que ça va vous permettre de prouver votre amour pour Krishna, de faire quelque chose qui va à l'encontre de la tendance spontanée qu'on a. Non, on appelle ça un yaga, faire un sacrifice. Quelque chose que spontanément, on n'aurait pas fait. Non, on ne serait pas dit, tiens, wow, il pleut, il fait froid et tout, wow, j'ai envie d'aller dehors distribuer. On ne se dit pas ça. On se dit, oh mince, il pleut, il fait froid encore, ça va être difficile. Mais des fois, quand on se retrouve dans la rue, sous la pluie et dans le froid à distribuer des livres, ça devient magique. Ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle l'année dernière, quand j'ai fait le marathon de Prabhupada à la gare du Nord, pff, il pleuvait tous les jours et il caillait vraiment. Parce que bon, le problème du marathon, c'est qu'il fait toujours froid. C'est toujours dans le pire moment de l'année. Il faisait froid, des fois il faisait tellement froid et il pleuvait. Mais, parce qu'on fait ça pour Krishna, Krishna réciproque à l'action. Et des fois c'était tellement beau que on ne voulait plus s'en aller de la pluie après. I'm singing in the rain. C'est ça après. Ça devient... Tu connais cette chanson? C'est une des chansons, comment on dit, cultes, hein? On n'a jamais... Je pense que c'est des chansons que tout le monde connaît. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc... c'est une très belle étape dans la vie de comprendre ça, ce principe de Sri Guru. Gogoïna Maharaj a expliqué, Sri Guru, ça veut dire comprendre que l'univers entier, non, que cet univers entier est une manifestation de Sri Guru pour mon bien, pour m'aider. Et là, ça change toute la donne. L'énergie matérielle disparaît. À partir du moment où on accepte ça, l'énergie matérielle disparaît. Elle est là encore. Mais elle est là simplement comme une fine couche derrière laquelle il y a Krishna tout de suite. Et on voit que cette fine couche, elle est actionnée par Krishna. Maya Dakshina, Prakriti, Suyate Sachara Charam. Et tout Nanea Kundriya, c'est ça? Je ne me rappelle plus la deuxième partie du verset. Cette énergie matérielle, en fait, elle est dirigée par moi. Chaque millimètre, chaque chose, c'est Krishna qui y est dirigé. C'est une des. Point principal que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, non? Je me rappelle quand j'étais un nouveau dévot, un matin, j'étais comme mes tout premiers matins, tu vois, à vivre dans le temple, et c'était le Govindam, au moment du Govindam, le mois de Kartik, et on faisait un kirtan, et là il y avait Jagannath Baladev Subhadra à Paris, et tout d'un coup pendant le kirtan, j'ai regardé Jagannath, Jagannath m'a regardé. Et là, Jagannath m'a donné une réalisation qu'en fait c'est lui qui tenait tout. Mon corps bougeait comme ça, dans le kirtan, je dansais, mais je réalisais que c'est lui qui manipulait tout dans ce monde-là. Et que moi j'étais juste comme une poupée, tu sais, comme une marionnette. Et ça a duré pendant quelques minutes comme ça, et j'ai réalisé, waouh, en fait je fais rien, c'est toi qui fais tout. Mais c'était réel, tu vois, je l'ai vécu pendant quelques instants. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend qu'il vaut mieux s'en remettre à Krishna et les laisser agir. Ok, puisque tu fais tout, eh bien fais tout.
Je me rappelle à l'époque où j'allais au Sankirtan tous les jours, je commençais toujours en faisant cette prière. Je disais, ok, de toute façon, tu sais déjà le score qu'on va faire aujourd'hui, non? Donc, qu'il en soit ainsi. Et moi, peu importe, d'une façon ou d'une autre, c'est déjà établi, ces choses-là. Hein? Un jour, quand j'étais à Montréal, j'ai rencontré un dévot qui s'appelle Yagya Goranga. C'est un dévot russe, très grand distributeur de livres. Yagya Goranga, il a distribué des centaines et des centaines, peut-être des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de livres. C'était le meilleur distributeur de livres à Toronto. Et je lui ai demandé, parce que ça m'intriguait, je lui ai dit, après toutes ces années de distribution de livres, et tous ces livres distribués, quelle est ta réalisation sur la distribution des livres? Intéressant, non? C'est comme ça qu'on apprend, pour savoir comment nous aussi, on pourrait réussir à distribuer des livres. C'est intéressant de demander aux gens qui, eux, ils sont experts dans la distribution des livres. Mais en gros, je lui ai demandé, en gros, comment tu fais? C'est quoi ta réalisation? Il m'a dit, ma réalisation, c'est que quand on distribue des livres, on ne fait rien du tout. C'est juste le paramatma qui agit. C'est tout. Il m'a dit, après 10 années, je ne sais pas combien d'années il avait fait de distribution de livres, il m'a dit, c'est ça ma réalisation. C'est qu'en gros, tu ne fais pas grand-chose. Parce que des fois, ça marche très très bien, des fois, ça ne marche pas. C'est juste Krishna qui décide. Et toi, tu es juste là, et tu fais la distribution. Comme on dit distribuer, hein, c'est... tu distribues. Et j'ai trouvé ça une très belle réponse, très encourageante, non? Je me suis dit, waouh! Ça m'a beaucoup touché, puisque moi aussi j'avais eu la même réalisation en distribuant des livres dans la rue. Pourtant, je n'en avais pas beaucoup distribué comme lui, mais j'avais eu la même réalisation. Et j'ai réalisé, Krishna est tellement miséricordieux que même si je n'ai pas beaucoup distribué de livres dans la rue, et lui il a distribué des centaines de milliers de livres, et Krishna nous a donné la même réalisation. Qu'en fait, c'est juste selon sa volonté ou pas. Donc là, on parle des livres, parce que c'est un contexte, mais c'est sous n'importe quelle autre forme de service. Parce que ce contexte va bien dans le principe de comprendre que Krishna contrôle chaque chose. Quand on est dans la rue à distribuer des livres, on est obligé de comprendre assez vite que Krishna contrôle chaque chose. Sinon, c'est très difficile. Mais dès qu'on accepte ça, ça devient doux, la distribution des livres. Ça devient paisible. Parce que on voit Krishna agir, on laisse Krishna agir. Et des fois c'est très dur, des fois ça s'inverse. J'ai lu une histoire, tu l'as lu l'histoire, hein? J'ai reçu Jananda Maharaj, il m'a envoyé une histoire de Sankirtan, c'était un dévot russe, il était au Tatarstan. Vous connaissez ce pays-là? Oui. Le Tatarstan? Oui. T'as jamais entendu parler du Tatarstan? Oui. Moi non plus, avant de lire cette histoire-là. Enfin, peut-être que si, toi tu connaissais le Tatarstan? Parce que c'est à côté de la Russie, ça faisait partie de l'Union, de la République Socialiste Soviétique. Hein? Tatarstan, je sais pas si c'est un pays. Il était dans la ville de Kazan. Vous connaissez pas Kazan? C'est la capitale du Tatarstan. Ça doit être à côté du comment on appelle? Kazakhstan. Non? Pas tout à fait? Oui, c'est direction. En direction. Et donc il distribuait des livres. Et il avait dit à son collègue, ok, on distribue des livres jusqu'à midi. Et après, on fait une pause pour le repas. Et pendant toute la matinée, il a distribué 0 livre, absolument 0. Il ne restait plus que 5 minutes, 10 minutes. Il s'est dit, mince, là, quand même, j'ai distribué 0 livre. Et tout d'un coup, il a vu une vieille dame venir vers lui. C'était une vieille dame qui était en train de vendre des babioles, là, sur le côté. Je ne sais plus ce qu'elle vendait. Des pommes, voilà, des pommes de son jardin. Et elle vient le voir et elle lui dit, est-ce que vous avez le chant de Dieu? Il la regarde comme ça, il fait, ben,
Oui. Justement, le livre que j'ai là, Bhagavad Gita, ça veut dire le chant de Dieu. Elle lui dit, ah, c'était bien vrai. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Il lui dit oui. Et il était un petit peu gêné parce qu'il avait vu que c'était une dame qui était très pauvre, tu vois. Il était un petit peu gêné de lui demander combien ça coûtait. Et elle lui a expliqué parce que, en fait, hier, elle lui a dit, moi, je suis musulmane. Et hier soir, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, c'est une vraie histoire. Hein. Attendez-vous, hein. C'est des choses qui peuvent vous arriver dans la rue, parce que lui, il vendait des livres ce jour-là, ça lui est arrivé. Et la vieille dame, une vraie vieille dame pauvre, elle lui a dit, en fait, hier dans mon rêve, j'ai fait un rêve, pardon, hier dans mon rêve, Allah m'est apparu. Et je n'ai pas pu le voir, parce qu'il brillait tellement avec de la lumière, c'était comme une immense effulgence. Mais là, il m'a dit, demain, tu vas rencontrer un monsieur dans la rue qui distribue des livres. Il faudra que tu ailles le voir. Il ressemble à ça, 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 ça. Et elle dit, il m'a fait la description exacte de vous. Elle dit, quand tu le verras, tu iras le voir. Tu le reconnaîtras par la description. Hein. Tu iras le voir et tu lui demanderas le chant de Dieu. S'il vend le chant de Dieu. Elle dit, et quand je vous ai vu aujourd'hui, je me suis dit, waouh, c'était la personne que Allah m'a décrit dans mon rêve. Donc, je suis venu vous demander si vous avez le chant de Dieu. Et là, le dévot, il n'en croyait pas ses oreilles. Hein. Allah était apparu en rêve pour dire à cette dame musulmane qu'il fallait qu'elle aille voir le dévot de Sankirtan le lendemain pour acheter la Bhagavad Gita. Et donc, il lui a dit, ben, ça coûtait tant d'argent. Elle a sorti son petit sac dans lequel il y avait un autre petit sac dans lequel il y avait un porte-monnaie. Elle a ouvert le porte-monnaie, dedans il y avait un autre porte-monnaie. Et là, elle a sorti, elle avait quelques pièces de tout ce qu'elle avait gagné en vendant ses pommes. Elle lui a donné ça. Elle a pris le livre, elle a serré contre sa poitrine, comme ça. Et elle a dit, merci, merci, merci. Et elle est repartie comme ça, elle avait des larmes dans les yeux. Voilà, le genre de personnes qu'on peut rencontrer quand on distribue des livres. Ça prouve que Krishna est derrière tout, non? Ça, c'est la preuve que ce n'est pas nous qui distribuons des livres, mais c'est Paramatma. L'année dernière, avec Dhyananda Maharaj, pareil, lui, il était pas loin de la gare du Nord, et il voit un monsieur dans la rue, et il lui présente le livre. Et le monsieur s'est arrêté et a dit, non, c'est pas possible. Il lui dit, qu'est-ce qui n'est pas possible? Il lui dit, quand je me suis levé ce matin, j'ai pris la décision, aujourd'hui, il faut que j'achète la Bhagavad Gita. Ça fait longtemps que je voulais la lire, mais je prenais jamais le temps d'aller dans une librairie pour l'acheter. Et là, quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, aujourd'hui, il faut que j'achète la Bhagavad Gita. Il est tombé sur Dhyananda Maharaj qui lui a donné la Bhagavad Gita. Comme quoi, Krishna comprend tout. Et ça, c'est l'instruction que les Vaishnavas vont nous dire, non? Quand on les approche. Et ensuite, par le service, on va pouvoir réaliser cette instruction, qu'effectivement, Krishna contrôle tout. Mais si on ne la met pas en application, on ne pourra pas réaliser. Et donc, c'est très intéressant, j'ai bien aimé, parce que la manière dont il démantèle, il dit, ok, les gens dans le Kali Yuga, ils ont une vie courte, non? Courte. Dans nos jours, on pense que c'est une vie longue, 90 ans, mais c'est ridicule. Si on compare dans les autres yogas, le Dvapara Yuga, il vivait 1000 ans. Déjà, par rapport à 1000 ans, c'est comme si on vous disait que vous allez vivre plus que 10 ans dans l'âge prochain. Ça fait short, non? 10 ans, ça ne donne pas se faire grand-chose, quoi. 10 ans. Il dit, ils ont tous une vie courte. Et si jamais, par chance, ils avaient une vie longue, ils sont paresseux. C'est-à-dire que même dans cette vie longue, quand ils vont être tellement paresseux, ils ne vont pas faire grand-chose. Paresseux pour étudier les sujets spirituels tout particulièrement. Et si jamais ils n'étaient pas paresseux pour étudier les sujets spirituels, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'étudier les sujets spirituels, ils sont inintelligents.
ils n'ont pas l'intelligence pour les comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont, ça existe, on voit souvent des gens, ils ont envie de comprendre la spiritualité, non? Des fois on voit des gens qui vont venir au temple, ils sont là, ils viennent de façon attendue, ils vont venir, ils écoutent les classes, ils posent des questions, mais au bout de quelques années, ils ne comprennent toujours rien du tout. Non? Il va t'aider à une réflexion. C'est complètement... Le gars, il n'a rien compris. Ça fait tellement de classes qu'il a écouté. Il n'a pas compris les béabas. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. On est tous des âmes spirituelles. Mais ça veut dire qu'il a cette infortune. On appelle... Sumanda Matayo. Il est inintelligent. Le cadeau de l'intelligence ne lui a pas été donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas l'avoir plus tôt, il pourra plus tard, je veux dire. Et après, et si jamais ils sont intelligents, eh bien, ils sont infortunés. C'est-à-dire qu'il est intelligent, il veut savoir, néanmoins il est infortuné, il n'a pas la chance de rencontrer les purs dévots. Et ça, il y a beaucoup de gens aussi, non? J'ai rencontré une personne dans ma vie et ça m'avait beaucoup marqué. C'était à Vrindavan et c'était un dévot beaucoup plus vieux que moi, mais il n'était pas initié. Il cherchait toujours un maître spirituel, mais il n'arrivait pas. Comme il avait une infortune, il n'arrivait pas à trouver un maître spirituel. Et il m'avait même confié qu'il avait vécu à Bhubaneswar avec Guru Govinda Maharaj pendant 5 ans. Mais il n'était pas sûr que Guru Govinda Maharaj était un pur dévot, donc il n'avait pas pris l'initiation de Guru Govinda Maharaj. Ça veut dire que cette personne était infortunée, t'imagines, de vivre avec une personne comme Guru Govinda Maharaj, de dire s'il y a des personnes en qui c'est manifeste qu'ils sont un dévot avancé, c'est difficile de faire plus que Guru Govinda Maharaj. Ça se voyait à 10 km que c'était un Vaishnava extraordinaire, non? Ses actions étaient extraordinaires. C'est la manière dont il parlait de Krishna, c'était extraordinaire. Sa vie est extraordinaire du début jusqu'à la fin. Mais si vous êtes infortuné, vous ne pouvez pas réaliser. Ou même tout simplement pas atteindre l'association du pur Dieu. Donc, et si jamais ils étaient fortunés et obtiennent l'association des purs dévots et demeurent affligés par les problèmes de la maladie et toutes ces choses-là. La maladie et d'autres mots et la misère ne trouvent pas le temps pour pouvoir écouter les dévots. Cette personne-là, elle a tout. Elle a l'intelligence, l'intérêt, elle a rencontré des purs dévots, mais elle ne trouve pas le temps pour pouvoir s'asseoir et les écouter. Et la Vijana Chakravarti Thakur dit, et même si elle trouve le temps, elle ne peut pas le comprendre et accomplir ensuite les actions pour l'atteinte. C'est-à-dire, c'est vrai. Elle va écouter, elle va tout recevoir, mais elle va avoir du mal à mettre en application. Donc c'est très difficile dans l'âge de Kali, avec toutes ces mauvaises qualités accumulées, vous comprenez, de pouvoir finalement véritablement bénéficier de la vie humaine. Très très difficile. Voilà notre situation. Manda sumanda matayo manda bhagya yupadulta. C'est la description de l'âge de Kali dans l'équipe. Tous les obstacles qu'on a. Mais, ça c'est juste un aspect de la pièce. Cela, Rupa Goswami explique. Ça c'est un des sentiments de Vaishnava, et c'est vrai aussi, d'être complètement infortuné. On doit développer ce sentiment-là. Néanmoins, il y a aussi un autre aspect qu'un Vaishnava doit aussi comprendre, sinon il va tomber juste dans la dépression négative, non? Mais, il faut aussi comprendre qui est Krishna. Et Krishna est Karuna Sindhu. C'est un océan de miséricorde. Donc en même temps, il y a le fait que bien qu'on soit les plus infortunés, okay, Krishna est apparu sous la forme du Bhagavata. Krishna est apparu sous la forme du Saint. Les dévots de Krishna sont là. Krishna est apparu sous sa forme de déité. Donc bien qu'on soit
dans une situation extrêmement difficile, Krishna est presque comme si on avait tout l'univers contre nous, il faut dire la vérité. Quand tu es né dans l'âge du Kali, c'est comme si tu as tout l'univers contre toi pour pouvoir atteindre le but de la vie. Mais Krishna est tellement miséricordieux que néanmoins, c'est possible. Et ça, c'est un autre aspect de la médaille qui nous donne espoir. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il perd jamais espoir. Même s'il réalise que je suis tellement infortuné, en même temps, il sait néanmoins, ta miséricorde est plus grande que mon infortune. Non, obligatoirement. On peut être extrêmement déchu, mais la miséricorde de Krishna est plus grande que notre déchéance. On ne doit jamais penser que la miséricorde de Krishna est inférieure à notre déchéance. Sinon, là, on va déprimer. Et ça serait une déprime illusoire, parce que ça n'est pas vrai. La miséricorde de Krishna est plus grande que notre déchéance. Satchinananda Maharaj, il disait ça. Il disait, et si, quand vous lisez à propos des illustres Vaishnavas du passé, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont atteint, le niveau de l'amour et de dévotion dans lequel ils vivaient, si ça vous décourage en disant, c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça, il dit alors c'est que vous n'avez pas compris le principe de la miséricorde du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il dit c'est immense, si vous avez l'impression qu'il y a une immense distance qui vous sépare, par exemple de ce qu'était Rupa Goswami, Satan Goswami ou Sukadev Goswami, on peut dire ok. On entend souvent les dévots dire ça. Oui, mais ça, c'est Sukadev Goswami, tu comprends? C'est pas applicable pour nous. Il dit, ça veut dire que vous n'avez pas compris un principe qui est la miséricorde du Seigneur Chaitanya. Il dit, en fait, cette immense distance, la miséricorde du Goranga pour la franchir en une seconde. Très intéressant. Hein? Quand on comprend ça, il y a un deuxième élément qui vient dans notre vie, c'est ce qu'on appelle l'espoir. On appelle en sanskrit Asha. Asha Banda. À ce moment-là, un dévot devient Asha Banda. Il devient lié par l'espoir. Vous comprenez? Asha Banda. Parce qu'il a compris que c'était possible. C'est possible maintenant, c'est possible dans 10 secondes, c'est possible demain, mais c'est possible. On ne peut pas dire c'est impossible. Je suis trop déçu, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Ça, c'est une mauvaise compréhension. On a beau être trop déçu, Krishna est plus miséricordieux que ce que nous sommes trop déçus. Et donc, et comme Krishna, sa miséricorde n'a pas de limite, il peut franchir cette. Il peut balayer notre déchéance en juste une fraction de seconde. Lorsqu'on comprend ça sincèrement dans notre cœur, on devient lié par l'espoir. Ou comme dit Prabhupada, s'éveille dans notre cœur, Ashabanda, c'est-à-dire. L'espoir contre tout espoir. Là où il n'y a aucun espoir, le dévot sait qu'il y a quand même de l'espoir. C'est très important, principe dynamique de la vie spirituelle. On ne doit jamais désespérer. On doit toujours comprendre que il y a la miséricorde complète et accessible à n'importe quel moment. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Et ça va nous donner la dynamique pour toujours continuer. Et lorsqu'on comprend ça, on réalise la beauté de Krishna aussi. Non? C'est la manière de traverser cet âge de Kali. Parce que Krishna, comme il sait que c'est un âge très difficile, il donne aussi beaucoup de miséricorde dans cet âge. À tel point que les sages du Satyayuga, ils prient pour pouvoir renaître dans le Kali. Et les demi-dieux sur les planètes héléniques, ils prient pour pouvoir naître dans le Kali Yuga, non? Tout le monde prie pour pouvoir naître ici et maintenant. Donc on a toutes les cartes dans nos mains. On a reçu toute une grâce gigantesque. En plus, pas simple, parce qu'ils prient ça pas simplement pour pouvoir renaître dans le Kali Yuga, mais ils disent dans le mouvement de Sankirtan. Et nous nous sommes trouvés dans le mouvement de Sankirtan, non? Donc la miséricorde est là. Même si
on n'a pas encore connecté pleinement avec cette miséricorde, c'est juste une question de temps. On doit comprendre ça. On doit avoir cet espoir que le désir de Krishna est de nous donner ce qu'il a de plus merveilleux. Non? Il suffit juste de nous caler, nous aussi, avec ce désir, c'est-à-dire de désirer recevoir ce qui est le plus merveilleux, et ensuite ça va faire le bon ménage. Ça, on va bien s'entendre avec Krishna. Non? Si Krishna, lui, veut nous donner ce qui est le plus merveilleux, mais si nous voulons autre chose, malheureusement, Krishna, il va faire quand même, mais il est limité dans sa capacité d'agir. Mais si nous désirons aussi ce qui est le plus merveilleux, là Krishna, ça va bien connecter ensemble, il va pouvoir nous aider merveilleusement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, c'est le principe de Pranipatena, que ici les sages de Nimesharanya manifestent. Ok, ils disent nous sommes, je suis presque sûr qu'après ils vont montrer l'autre aspect de voilà, juste dans le verset d'après, il manifeste l'autre aspect. Ils disent, tes explications seront assurément propices pour assurer la félicité éternelle et la quiétude du soi. Ils savent, bien que nous sommes extrêmement déchus dans cet âge de Kali, néanmoins, il y a toi, et toi tu es notre bonne fortune, et ils ont espoir qu'avec Sutta Goswami, ils vont pouvoir trouver la solution, parce qu'ils savent. La miséricorde de Krishna, elle est disponible, on peut l'obtenir. C'est que pour ça, Rupa Goswami nous disait, comment on dit, Utsaha Nishaya Daya Tat Tat Karma Pravartana. On doit être enthousiaste. C'est comme ça qu'on devient enthousiaste dans la vie spirituelle, parce qu'on sait la miséricorde de Krishna. Je vais la recevoir, ce n'est qu'une question de temps. Bhaktivinoda Thakur, il dit, dans le Jaya Dharma, le séjour du jiva dans ce monde matériel n'est qu'une expérience temporaire. Comme un voyageur qui s'arrête dans une auberge. Personne ne s'arrête dans une auberge pour vivre là pendant toute sa vie. Non? On vient juste, on passe quelques jours et après on s'en va. C'est le principe d'une auberge. Il dit, de même manière, le séjour du jiva dans le monde matériel ne peut pas être éternel. Il est juste temporaire. Un jour ou un autre, toutes les âmes de l'univers seront libérées. Pourquoi? Parce que le but même de l'univers matériel est de libérer les êtres vivants. Tout l'univers agit dans cette direction. Durga, Maya, même, c'est son but ultime, en fait. On dit souvent, qu'il faut faire attention à Durga, il faut faire à Maya, parce qu'elle va nous illusionner. Mais en réalité, le service ultime de Maya, c'est qu'elle nous aide. Malheureusement, notre esprit étant très déformé, il faut qu'elle nous aide de façon aussi déformée, en nous donnant beaucoup de coups pour nous faire comprendre, parce qu'on est très... très détraqué. Comme Bodhel Maharaj, il disait, c'est comme un ver de terre. Si tu l'enlèves des choses horribles et tu le mets dans l'eau bien propre, il va revenir après dans les choses horribles. Non? Il avait expliqué ça. C'est la tendance. Donc il va falloir mettre quelque chose devant lui et dire non. Et là, il va faire le tour pour essayer de passer à côté. Non, tu vas mettre une comme ça. Il va faire le tour. C'est comme ça. Il y a une petite araignée, tu veux l'attraper pour la sauver, non? Et elle essaye de s'échapper. Elle ne comprend pas que tu es là pour essayer. Alors tu mets un truc comme ça. Elle trouve toujours, des fois ça te met une heure, elle trouve toujours, elle essaye de s'échapper, elle va faire tout. Et des fois, on abandonne, on dit ok, tant pis pour toi. Mais Krishna, lui, il est plus miséricordieux que nous. Il n'abandonne jamais. Vous comprenez ce principe? On met notre main là comme ça, vous avez déjà vu tous. Ça, mets ta main là,
L'araignée, elle fait marche arrière. Mais t'as mal, elle fait. T'as envie de lui dire, mais tu comprends pas que je veux t'aider. C'est pareil, l'énergie matérielle, en fait, elle est en train d'essayer de nous aider. On doit la comprendre. Quand les réactions qu'on prend, c'est pour nous dire, là, c'est pas la bonne direction. Change ta trajectoire. Ok. On change notre trajectoire, on rectifie comme ça. Elle est là pour nous aider. Ultimement, c'est une dévote, non? Durga Devi, c'est l'épouse du Seigneur Shiva. Donc, c'est son service. Et c'est expliqué dans le 11e chant. Krishna explique à Uddhava que tout l'univers matériel, en fait, le but, c'est d'aider les jivas. Donc c'est qu'une question de temps, on doit avoir espoir. Et à la rigueur, je dirais même presque, ça ne nous concerne même pas. Puisque nous, on est entré dans la circonscription. Hein? On est entré dans la circonscription du mouvement de Sankirtan. C'est-à-dire qu'on a déjà reçu le contact avec la miséricorde à l'état pur, sous la forme du Mahamantra, sous la forme des Murtis, sous la forme du Bhagavatam. On est déjà en contact avec la miséricorde de façon pure. Il suffit juste de plonger dedans. Avec tout notre cœur, on plonge dedans. Et avec un espoir que de toute façon, ça ne peut pas rater. Si on pense que le processus que Prabhupada et Rupa Goswami nous ont donné est faillible, on n'a pas compris. C'est un processus infaillible. Mais, il fonctionne avec le temps. L'élément temps est là. Moi, quand j'étais jeune, mon maître spirituel me disait toujours ça. Il me dit, tu es trop impatient. Tu dois ajouter à tout ce que tu fais la patience. C'est un ingrédient, non? Quand on fait une recette de cuisine, dans toutes les recettes de cuisine, il y a un ingrédient qui est le même dans toutes les recettes, c'est le temps. Si tu ne veux pas mettre cet ingrédient-là, ben, tu n'auras rien du tout. Tu peux dire, on va t'amener tous tes ingrédients pour faire la recette, mais le temps, je ne veux pas le mettre. Je veux que ça soit fini là, maintenant. Ok, ben, ta préparation. Tu vois ce que tu peux avoir, non? Non, je veux que ça soit tout cuisiné, tout prêt. Ok, mais tu mets ton temps. Tu rajoutes une demi-heure. Non. Bon. Mais voilà ce que tu as. Vous comprenez? Donc si on se dit, ok, je vais rajouter le temps, c'est-à-dire on va donner notre patience, on va faire, et là, après, ça va prendre forme. C'est la même chose. On a reçu tout, on a tous les ingrédients. Le Bhagavatam est là, l'Andaya Soda sont là, le Saint-Nom de Radha Krishna sont là, non? Radha Krishna à ce moment-là aussi, les Gornitai sont venus en plus pour nous aider vers Radha Krishna. Le temple est là, les Vaishnava à ce moment-là, tout est là. Mais, il faut ajouter la patience, la pratique et la patience. Si on dit non, pourquoi ça, je peux pas avoir tout maintenant, ok. Non, il faut ajouter le temps. Et lorsqu'on en ajoute le temps, toutes les choses vont se cuisiner entre elles, se cuire entre elles. J'avais un ami, Sudarshan Prabhu, qui vient à l'île Maurice. Eux, ils n'utilisent pas le verbe cuisiner à l'île Maurice, ils utilisent le verbe cuire. C'est marrant. Les créoles, ils disaient, je vais cuire pour Krishna. Ah oui, moi j'aime bien cuire pour Krishna. Ah, aujourd'hui, j'ai cuit pour Krishna. C'est marrant, non? Parce qu'on comprend, mais c'est très bien. Disais ça tout le temps. Et donc, si on rajoute cet élément temps, c'est important la patience. Jai. Jai.